Mesdames, Demoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live Réflexion. Aujourd'hui, nous sommes le 16 mai 2024. En tout cas, merci beaucoup de votre fidélité. Je suis très ravi parce que ces deux derniers jours, je suis en train de voir que vous êtes en train de répondre effectivement à cette demande dont nous vous faisons de rejoindre Contact Pro Live, de vous abonner, de partager les émissions. Le peu que vous que je vois, même si ce n'est pas encore vraiment ce que nous voulons, mais je reconnais quand même ça et que je vous remercie. Je dis vraiment merci. Continuez à partager cette émission et grâce à vous, nous pensons que l'idée que nous sommes en train de faire promouvoir ici va connaître un succès et ça permettra aussi à ceux qui sont en mal des visions, peut-être d'être inspirés par ce que nous disons ici sur les solutions à apporter à la République démocratique du Congo. En tout cas, merci beaucoup pour ceux qui sont à Kisangani. Et je suis très ravi parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent aussi de ce côté-là. J'ai engagé la semaine passée une longue conversation avec ceux qui se trouvent à Kisangani et sur le sujet de l'insécurité dans la province de la Tchopo. Il y a aussi ceux qui sont dans le bas où elle est, qui petit à petit commencent à rejoindre. Il y a 4 ou 5 personnes qui me suivent régulièrement et religieusement au bas où elle est là-bas. Ça, je n'oublie pas aussi ceux qui sont à Kalemie. Merci en tout cas une fois de plus. Merci, continuez à faire ce que vous faites et nous continuerons à faire, à réfléchir et surtout à marier vos idées dont vous nous proposez en disant que cette idée de la rétrocession du pouvoir au niveau de la base, comment vous la concevez et l'exemple que vous me donnez, c'est vraiment très très inspirant. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui nous parlons de quoi? Nous parlons, comme vous l'aviez lu dans le titre, notre justice est pratiquement malade. Notre justice, ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais le président de la République lui-même l'avait déjà dit et il l'avait exprimé qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre justice. Or, la justice, c'est l'un des composants des institutions que nous avons en République démocratique du Congo. Je vous rappelle que nous avons à peu près 4 institutions reconnues. Nous avons la présidence de la République, nous avons les cours et les tribunaux dont la justice, nous avons le gouvernement et les législateurs, donc le parlement et donc c'est le quatrième. Donc c'est ça les 4 institutions qui font fonctionner notre pays. Et parmi ces 4 institutions, le président de la République lui-même dans ses interviews a dit que non, notre justice est malade. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la justice. Nous allons parler de quel côté de la justice? Nous allons parler de la Cour constitutionnelle, comme vous l'avez dit dans le titre. Donc nous allons développer ce que la Cour constitutionnelle a commis comme déboire. Et c'est là, comme je ne suis pas juriste, comme je ne suis pas constitutionnel, nous allons vous donner ce que nous pensons et les points de vue d'un député et quelqu'un de droit. Et vous-même, vous allez trouver où se trouve le couac. Mais avant d'aller un peu plus loin, comme toujours, nous vous donnons le grand titre à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet et puis nous revenons tout de suite pour développer notre sujet. Voici le grand titre à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com. Kinshasa, un lot d'engins et autres matériels disponibles pour la salubrité. RDC, les députés nationaux ne doivent pas vendre leur pouvoir à 5 ou 10 000 dollars. RDC ne touche pas à ma constitution. Nouvelle campagne lancée par le Forum citoyen. On va sur actualité.cd. Déborah Kayembeboula reçoit le titre docteur honoris causa à l'INIKIN. Et puis, état de siège au Nord Kivu. Le gouverneur militaire vante la sa gestion. On ne me dira pas que les civils étaient des bons gestionnaires que les militaires. Plantation Willery du Congo, PHC, clarification sur la présidence du conseil d'administration. On va sur Congo Profond,
Championnat provincial du Nord Kivu, US Sokoza qui tient sa deuxième victoire d'affilée. Goma Sport et Kapako se neutralisent. Scandale au Sankourou, mensonge, tromperie et tripatouillage d'âge dans le chef du sénateur Jules Lodi Enongo. La Cour constitutionnelle interpellée. Fiston Mayele en flamme, les Égyptiens Premier League avec un doublé sensationnel lors de la 20e journée. 7 sur 7, Ituri 16 morts dans une attaque ADF à Mambasa. Et puis RDC Jules Ndingeti échange les nouveaux gouverneurs, échange avec le nouveau gouverneur de Kinshasa, élu du Sud Kivu, implémentation de la bonne gouvernance. Ituri, 11 morts dans une nouvelle attaque. On termine par Radio Okapi. Ituri, au moins 20 morts à la suite d'un naufrage d'une embarcation. Nord Kivu, la société civile préoccupée par l'avancée de rebelles du M23 dans le territoire de Masisi. Les administrateurs des territoires de Beni et Irumu unissent leurs efforts pour lutter contre les ADF. Merci, on se retrouve prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, merci beaucoup en tout cas mes chers amis. Donc, quand nous regardons notre justice, il y a à boire et à manger. Mais nous allons nous focaliser sur la Cour constitutionnelle qui a fait de la mare. Donc, la répétition en principe de la jurisprudence de 2006, 2011, 2019, qui est en faux au fait qui fait à ce qu'on ne puisse plus avoir confiance à cette Cour constitutionnelle. Nous continuons à naviguer dans cette même optique. Nous continuons à naviguer dans ça. La Cour constitutionnelle se redit, c'est-à-dire elle rend des arrêts et puis elle dit que non, elle va corriger ces arrêts-là. En 2019, nous avions vu des députés qui sont partis dormir devant la Cour constitutionnelle, disant que réclamant, disons, faire un recours. Et ces gens-là ont été, après que la Cour ait rendu public les résultats, parce que la Cour, c'est en principe le terminal. Dès qu'un arrêt de la Cour constitutionnelle est rendu, personne en principe ne peut redire. Elle est imposable à tous. C'est ça l'article 166, je crois, si je ne me trompe pas. C'est que l'article 166 dit. Mais nous avons vu aujourd'hui des députés. Au fait, lorsque les résultats ont été proclamés par la CENI envoie ces résultats-là à la Cour constitutionnelle pour que ça devienne une loi. Donc, ça, il confirme et puis c'est tout. Et cet arrêt-là ne peut pas être contredit. Mais nous avions vu tendance maintenant à ce que cette Cour-là, elle devient de plus en plus discutable. Quelqu'un peut se lever aujourd'hui, il va discuter une loi. Or, la Constitution dit d'elle-même que qui peuvent faire des recours, qui peut faire qui que ce soit. On dit peut-être toute personne. Mais est-ce que, n'est-ce pas que ce sont les juristes qui sont en train de nous montrer que notre justice est malade? Est-ce que c'est un problème de la Constitution ou bien c'est un problème de l'application de cette Constitution? Il y a des juristes qui se compliquent dans dans cette constitution-là. C'est comme ça, à un certain moment, moi-même, j'ai évité carrément de lire cette constitution parce que beaucoup de gens ont commencé à me taxer, à me dire « Non, toi, tu n'es pas juriste, tu ne peux pas interpréter. » Je n'interprète pas la constitution. Regardez d'abord. Nous allons lire tout simplement. C'est du français. Et ça, le potonde komama qui n'a awa la Cour constitutionnelle. Et à moi de dire que non, la Cour constitutionnelle elle-même nous dit que nous devons absolument connaître ces lois-là. Nous devons connaître ce qui se passe dans la Cour, dans la Constitution. Ici, nous sommes dans l'article 161. Elle dit quoi? La Cour constitutionnelle connaît des recours en interprétation. C'est-à-dire que quand la Cour constitutionnelle a rendu un arrêt, c'est fini, il n'y a plus moyen de faire autre chose. C'est la sommité des arrêts. Au-delà de ça, il n'y a personne. C'est dit.
tout le monde, et Zalanani, doit se soumettre à la Cour constitutionnelle. C'est comme ça que même il y a même séparation du pouvoir. C'est-à-dire que l'arrêt de la Cour constitutionnelle, quand elle est rendue, ni le président de la République, ni qui que ce soit ne peut pas venir commencer à influencer. Mais vous allez entendre dans les interviews que je vais vous mettre ici, même les députés eux-mêmes vont faire recours au président de la République pour qu'elle puisse intervenir dans un arrêt qui est rendu par la Cour constitutionnelle. Dans l'arrêt même de la Cour constitutionnelle, lui, pour déterminer ce qui était... ils disent que c'est par les droits, c'est pas par les droits. Vous allez les suivre tout à l'heure là. Et c'est ça qui montre cette cacophonie que la Cour constitutionnelle, elle est malade aussi. La Cour constitutionnelle est malade. Finalement, justice ango eza wapi na mboka oyo. Alors, Bandeko, pour ne pas aller trop loin, je vais vous proposer de suivre d'abord l'intervention sur Radio Okapi d'un député. Et après cela, ça sera suivi de l'intervention d'un autre juriste qui contredit ces députés-là. Si nous avons le temps, nous allons mettre aussi le point de vue des auditeurs de la Radio Okapi sur ce sujet de ping-pong qui se trouve à la Cour constitutionnelle. Suivons et puis nous revenons tout de suite après. De la Cour vient ainsi clore les débats sur la correction des erreurs matérielles en créant des mécontents qui étaient pourtant déclarés définitivement élus. C'est votre cas, Maître Michel Omba. Le 3 mai dernier, vous avez organisé un point de presse avec d'autres députés qui se retrouvent dans le même cas que vous pour dénoncer cet état des choses. C'est quoi le problème? Oui, merci beaucoup, madame. D'abord, d'entrée de jeu, je voudrais dire que cet arrêt, loin de clore les débats, il vient plutôt ouvrir une boîte à Pandore. Parce que, dès lors que la Cour ouvre, n'est-ce pas, ses procès en erreur matérielle, il consacre le principe qui est inconstitutionnel de pouvoir recourir à la Cour pour erreur matérielle de manière indéterminée, parce qu'il n'y a aucune disposition légale, même constitutionnelle, qui limiterait aujourd'hui, n'est-ce pas, le recours en erreur matérielle. Pour ce qui nous concerne, nous, c'est vrai que je suis concerné par le dernier arrêt de correction d'erreur matérielle. Malheureusement, nous estimons, pour ce qui nous concerne, c'est pourquoi j'ai dit je ne suis pas d'accord avec cette assertion dernière du journaliste. Pour ce qui nous concerne, nous estimons que devant la Cour... Je ne vous apprends rien, maître. On sait que les arrêts sont définitifs, non? Non, les arrêts de la Cour. Cette émission est vraie et aussi pédagogique. Hein, je voulais dire, voilà. On va essayer d'utiliser les termes... je vais vous donner la parole. Oui. On va essayer d'utiliser des termes juridiques pas très compliqués hein, pour la bonne compréhension. Donc, il y a beaucoup d'auditeurs qui nous suivent en ce moment. Vous avez la parole. Hein. Oui. C'est vrai que les arrêts de la Cour constitutionnelle sont non susceptibles de recours, c'est-à-dire qu'ils sont définitifs. Mm-hmm. Quand on dit que c'est définitif, mais ça va être comme une relation de flèches en mathématiques qui doit être symétrique. Vous comprenez, ça signifie quoi? Si pour ces arrêts ici en correction d'erreurs matérielles, nous pouvons les considérer comme définitifs. Mais alors pourquoi on n'a pas considéré définitifs les arrêts avant? Parce que les arrêts, lorsque nous avons... La CENI a proclamé les résultats provisoires. La loi, l'article 74 et 74 quinquies de la loi électorale, nous permettait à ce que nous puissions aller en contentieux devant la Cour constitutionnelle. Nous sommes allés en contentieux devant la Cour constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle a pris un arrêt définitif conformément à l'article 168 de la Constitution qui dit que les arrêts de la Cour constitutionnelle sont non susceptibles d'aucun recours, s'opposent à toutes les autorités civiles et militaires, et ils sont immédiatement exécutables. Mmh. Cette décision qui était rendue sous le numéro RCE 1389 a été communiquée, signifiée à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a exécuté. Nous avons été validés, le pouvoir a été validé et nous avons reçu les immunités. Dès lors, pour rentrer dans votre assertion, personne ne pouvait y toucher. C'est ça l'intangibilité même des arrêts de la Cour. Alors maintenant, au lieu de comprendre que ces arrêts sont définitifs
et que ça clôturait tout. Mais la Cour s'est permise, de manière illicite, illégale et inconstitutionnelle, à ouvrir encore une audience de correction d'erreurs matérielles qui n'est pas prévue par la Constitution. L'article 74 de la loi électorale, parce qu'il faut commencer par là, et l'article 74 quinquies de la loi électorale dit que en matière électorale, les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours en matière électorale. Ces recours en rectification d'erreurs matérielles ne peuvent être concevables que devant les juridictions, disons la Cour administrative d'appel et les tribunaux administratifs. Donc, les arrêts ici en correction matérielle sont inconstitutionnels parce qu'ils ne sont prévus par aucune loi en République démocratique du Congo. Ces arrêts irréguliers. Des arrêts inconstitutionnels, irréguliers et même illégaux. Il n'y a aucune loi qui prévoit devant la Cour que jamais quiconque a défi. Les gens lisent la loi de manière partielle et sentimentale. Quand vous lisez l'article 74 et 74 quinquies, vous combinez les deux. De la loi électorale, on vous dit en matière électorale. Pourquoi je vous l'ai dit? Parce qu'il y a eu une jurisprudence. En 2006, il y a eu des gens qui sont allés en erreur matérielle devant la Cour suprême de justice à l'époque, c'est déjà matière administrative. Et puis en 2018, je crois aussi, 2019, ils sont allés, les cas de Balekela, de Daniel Safou et consorts, ils sont allés, même de Chérubin Okende, ils sont allés en erreur matérielle. Mais c'est le législateur de 2022, la modification de la loi électorale de 2022, pour pallier à cette situation, qui est venu interdire devant la Cour constitutionnelle les erreurs, les recours en erreur matérielle. Il n'y a pas de correction à ce niveau-là. Parce que c'est le dernier rempart. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'à ce niveau de responsabilité, que la Cour puisse accepter, reconnaître, n'être pas en mesure de corriger les erreurs avant de prononcer. Parce que c'est quand même la haute Cour et le dernier rempart. Avant même de prononcer, il y a une plénière. Tous les membres de la Cour se réunissent en plénière. Donc on ne peut pas concevoir que devant une telle juridiction, qu'on puisse sortir une erreur matérielle. Parce que je m'en vais vous donner une preuve. Comment vous pouvez expliquer aujourd'hui si Théodore Ngoï, le pasteur Théodore Ngoï, qui avait fait un contentieux contre les résultats du président de la République. Le président a été validé. Le président a reçu l'arrêt définitif de son serment. C'est ce qui lui permet de travailler aujourd'hui. Puisqu'il n'y a pas de délai pour le recours en erreur matérielle. Peut-on ouvrir aujourd'hui? Si Ngoï Théodore va à la Cour constitutionnelle aujourd'hui, demander à ce qu'on puisse corriger la décision du président de la République, qu'est-ce que nous allons dire? Vous voyez? Donc c'est pour cette raison qu'on ne peut pas toucher. Les arrêts de la Cour constitutionnelle sont intangibles. Et même l'arrêt dont il est question, 15-22, de la Cour constitutionnelle sur les corrections d'erreurs matérielles, reconnaît cela. J'ai amené l'arrêt avec moi ici. L'arrêt dit ceci. Les actions, les requêtes introduites par les 19 députés qu'on venait de valider ici sont des requêtes qui violent les articles 168 de la Constitution, qui violent, n'est-ce pas, l'article 19 de la Constitution, qui violent la loi électorale, en fait, d'une manière générale, qui violent la loi et sont inconstitutionnelles, ne concernent pas les erreurs matérielles. Mais cependant, la Cour dit, bon, puisqu'ils ont dit qu'ils n'ont pas été présents lors du procès en contentieux, donc on leur permet quand même de se défendre. Ça c'était la justification, l'état de, on dit la Cour ouvre au nom de l'état des droits et des droits de la défense. C'était la justification tout simplement pour permettre à la Cour d'ouvrir un procès qui ne pouvait pas exister parce que l'erreur matérielle n'est pas reconnue. Alors maintenant quand la Cour ouvre, il fallait leur permettre de se défendre. D'où? Parce que quand vous lisez les requêtes, ils demandent à ce que la Cour puisse invalider au fond. Quand vous regardez, moi j'ai l'arrêt ici, j'ai l'arrêt avec moi, voici ce que la Cour dit par rapport à l'arrêt. Pour contredire ce qu'il dit, quand au fond, la Cour observe que la requête en rectification d'erreurs matérielles dont elle est saisie, en principe, a présenté une inexactitude qui se glisse par inadvertance dans l'exécution d'une opération de calcul dans la rédaction de son arrêt. Omission de nom ou élément de nom, et qui appelle une simple rectification sans nouvelle contestation à partir des données en général. Et la Cour termine
Ils disent quoi? Cette inexactitude doit être avérée et constituer un vice de transcription dans l'arrêt, dans les cas sous examen. C'est mon cas. Mm-hmm. La requête relève en réalité une contestation contre la précitée décision de la Cour et non pas l'existence d'une requête, d'une quelconque erreur matérielle. En violation, c'est en violation des articles 168, 93 de la loi organique qu'il a cité et des principes non bis in idem qui fait qu'on ne peut pas juger l'affaire deux fois. Ça, c'est la Cour qui l'a dit. Mais lui, il va nous parler de quoi? Mais la Cour, en deuxième paragraphe, pour donner droit à ceux qui sont allés devant lui, la Cour dit, cependant, au nom de l'état de droit et de l'état de la défense, est-ce qu'il peut me retrouver quelque part? Parce que lui, c'est lui qui parle de l'exception. Il parle de la loi spéciale comme exception. Il parle de la loi organique comme exception. Non, la loi organique a été l'exception de la Constitution. Mais la loi électorale est une loi spéciale à la loi organique. Parce que c'est la loi électorale qui définit même l'erreur matérielle repose sur quoi. Peut-il me retrouver, lui, dans son exception, où on dit que en dehors de l'interprétation, des rectifications d'erreurs matérielles, la Cour, au nom de l'état de droit et du droit de la défense, rectifier l'erreur matérielle. Encore que la Cour ici, je viens de vous lire, ne dit pas qu'il a rectifié l'erreur matérielle. La Cour dit même que cette action-là en erreur matérielle est inconstitutionnelle. C'est ça que la Cour elle-même qui dit, est inconstitutionnelle, donc ça ne concerne pas l'erreur matérielle, mais plutôt l'état des droits. Et enfin, quand vous lisez même, parce que lui-même dit que ça ne concerne pas les fonds, mais maintenant la Cour, où est-ce que la Cour a décidé sur la forme par rapport à ces requêtes-là? Où est-ce que la Cour, est-ce qu'il a même les arrêts? Parce que moi, je parle sur bas des arrêts que j'ai ici devant moi. Est-ce que la Cour a décidé même sur la forme? Qu'est-ce que la Cour a dit? La Cour n'a rien dit. Je crois que l'audience, le procès, je m'excuse madame, une minute. Le procès en rectification d'erreurs matérielles a été ouvert juste pour justifier l'attitude de la Cour qui devait toucher le principe de l'intangibilité de l'article 168. Des arrêts de la Cour qu'il ne pouvait pas toucher. C'est au nom de l'état des droits qu'il a accepté de toucher ces principes. Mais alors, au lieu de rendre une décision, parce que ce principe dit il faut qu'il puisse se défendre. Mais or, à l'audience de l'erreur matérielle, ils étaient là. Ils devaient apporter leurs preuves. Il n'y a aucune preuve ici dans ce qu'on appelle erreur matérielle. Il n'y a aucun chiffre où on démontre, par exemple, que mon adversaire a eu plus. Il n'y a aucun chiffre. Merci. Rien.
Merci Maître Michel Omba, professeur Jeff Moudimbi, professeur à la faculté de sciences sociales, département de sciences politiques et administratives de l'université de Lubumbashi. Professeur, vous venez de suivre nos deux avocats avec nous dans ce débat sur les contentieux électoraux. Votre lecture. Bien, merci beaucoup madame. D'entrée de jeu, je voudrais dire ceci que la Cour constitutionnelle est une juridiction prestigieuse. Prestigieuse pourquoi ? Parce que elle statue en dernière instance. Et à ce titre, nous pouvons déjà comprendre qu'il n'y a pas de voie de recours ou il n'y a pas une juridiction d'appel au-delà de la Cour constitutionnelle. Et à ce titre, nous pensons que les juges de la Cour constitutionnelle, conscients de leur mission, se doivent l'obligation d'étirer correctement le droit pour éviter des frustrations. Mais quand nous voyons les atermoiements de cette Cour, elle valide, puis elle invalide, au nom de la correction des erreurs. Je pense, madame, que cette attitude est digne de jeter le discrédit sur cette cour que je considère comme prestigieuse. Et j'insiste sur les atermoiements de cette cour. Le magistrat suprême lui-même n'a-t-il pas dit que notre justice est malade? Alors, quand on analyse tout cela, il y a lieu de paraphraser un peu Jean-Paul Sartre, que réellement, on a de la nausée. Vraiment, on a de la nausée. Et c'est ce qui m'amène souvent à dire que pour mieux vivre en RDC, il est souhaitable d'être un illettré. Parce que quand on est illettré, on ne comprend rien de ce qui se passe, on trouve que c'est normal. Mais quand on est cultivé, on est intellectuel, on essaie un peu d'analyser les faits tels qu'ils sont en train de se dérouler plutôt que tels qu'ils devraient être, je pense qu'il y a lieu vraiment d'avoir cette nausée. Ils sont allés même à l'union interparlementaire et les législateurs, se rendant compte de ces bévues de la Cour, a introduit une autre exception, disons une loi spéciale, comme je peux appeler exception sur exception. C'est ça l'article 74 qui vous dit que en matière électorale, là nous sommes maintenant dans la loi spéciale. On ne peut pas se limiter à la loi organique. Nous sommes à la loi spéciale qui vous dit en matière électorale, il n'y a pas de recours contre les arrêts de la Cour constitutionnelle. Vous allez remarquer, voilà que le professeur parle de Maître Omba, on comprend que vous n'êtes pas d'accord avec les derniers arrêts rendus par la Cour Oui, c'est scientifique, c'est pédagogique. J'ajoute juste pour les professeurs ceci. Parce que le professeur dit, vous avez reconnu qu'il y a aussi des erreurs dans ces arrêts-là. Mais vous pouvez aller encore devant la Cour, introduire une autre requête en erreur matérielle. Je l'applaudis, mais pourvu que nous soyons acceptés et constitutionnels. La constitution ne nous permet pas. Alors là, nous sommes dans les cas d'erreur en erreur, en erreur, en erreur, jusqu'à quand? Donc, éternellement, nous allons continuer d'erreur en erreur, et donc nous allons avoir une cour qui connaît d'erreur en erreur de manière indéterminée. Et la conséquence, c'est quoi? Chaque fois qu'il y a rectification d'erreur matérielle, il y a invalidation, l'Assemblée doit invalider les députés. Vous comprenez? Donc, nous aurons une cour d'erreur en erreur et nous aurons une assemblée nationale qui doit aller d'invalidation à une invalidation, comme Mbosso l'avait dit, n'est-ce pas, d'erreur matérielle. Alors, voilà le problème. Les auditeurs veulent aussi intervenir pour donner leur point de vue sur ce sujet, bien que très, très juridique. C'est vraiment un sujet, un débat entre avocats. On va prendre cet auditeur qui nous appelle de Kisangani, dans la province de La Tchopo. Albert Kolembela Bokomba, dans la ville de Kisangani. Tout est devenu théâtre dans ce pays. La Cour constitutionnelle qui
proclame le résultat définitif et elle corrige, je ne vois pas comment on peut corriger les mêmes erreurs pour la seconde fois. Je ne pense pas que le chef de l'État peut interférer à la décision de la justice pour le fameux dossier qui a trop duré, car la justice est indépendante. Saisir la justice internationale est une erreur monumentale, car ces derniers n'ont pas de données prouvant leur victoire. À mon avis, les invalidés doivent mettre de l'eau dans leur vin pour attendre l'échéance électorale de 2028 afin de se compétir. Voilà, les arrêts de la Cour, ça c'est l'article 168. Et dit quoi? Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutables, exécutoires. Ils sont obligatoires et s'imposent au pouvoir public, à toutes les autorités administratives, juridictionnelles, civiles, militaires, ainsi qu'aux particuliers. Tout acte déclaré non conforme à la Constitution est nul de plein droit. Donc ici, il ne s'agit pas d'aller crier au président de la République, oh non, président Assalaboué. Non, c'est fini. Et nous, les Congolais, nous ne voulons pas comprendre ça. C'est ça le grand problème que nous faisons face aujourd'hui. Les Congolais ne peuvent pas comprendre ça. Et même les juristes eux-mêmes. Bah, juriste, bango mokonde mtubaza kotia biso na makamboyo. Mais maintenant, où est-ce que le salut du Congo viendra d'où maintenant? C'est là le grand problème dans lequel nous sommes en train de nous poser ici. Le salut viendra d'où? Et kouta wapi sikoyo pour te corriger makamboyo. Faudrait-il changer cette constitution? Ou ce sont les hommes qui appliquent cette constitution qui sont malades, qui n'ont pas leur tête sur les épaules? Mou koloni nango to ko vanda ka boe vraiment to komi ko respecte ma mibeko ya Congo. C'est quand? À quand? C'est à la fin de cette mélodie. On matraque la constitution. Parfois c'est le président lui-même qui dit le contraire, qui fait ceci. Un arrêt dans lequel de la Cour constitutionnelle invoquant s'appuya sa décision sur une décision des injonctions. Vous avez suivi? Vous avez suivi le député qui dit ça. Il dit que la Cour constitutionnelle prononce un arrêt qui s'appuie sur une décision politique d'état de droit. Ce n'est pas une loi. Il n'y a pas de loi qui évoque ça. Voilà un peu dans quel pays nous sommes en train de naviguer, mes chers amis. Pays n'a pas été finalement tous aucun de wapi. Où est-ce que nous allons? On va où? Mbo Kanabiso, est-ce que même à tato changer constitution angolelo, ça va changer les choses? Ça va amener quoi? Est-ce que c'est ça, c'est la constitution qui va amener à ce que les gens puissent respecter la constitution? Le changement de cette constitution-là? On continue à se poser comme question. Batouébele, ba komisiko kota la balobi, bon, et loko e photo boma ango kak. C'est ainsi que nous disons ceci. Sur le point, il y a qu'on change constitution. C'est comme ça que nous avions proposé cette méthodologie à Koloba. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous avions dit qu'il faut recommencer, il faut proclamer un nouveau Congo. Et ce nouveau Congo, nous devons faire des actes d'engagement à l'appartenance à ce nouveau Congo, à tous les 450 tribus ou ethnies se trouvant sur l'étendue de la République démocratique du Congo. Nous devons signer un pacte d'engagement. Et ce pacte d'engagement doit être signé par nous, les peuples, qui sont réunis dans les communautés, dans les tribus. Et chaque tribu, nous devons maintenant faire partie vraiment à accepter que ce pays nous appartient. C'est ainsi que nous pensons que pour y en arriver, il faut appeler les états de lieu de chaque territoire où les territoires vont se mettre ensemble parce que les tribus se trouvent dans les territoires. Reconnaître le pouvoir de ces gens-là et que ces gens-là puissent réfléchir sur une nouvelle constitution, même si nous pouvons donner
un prototype sur lequel les territoires vont discuter sur ça et puis dégager leur approbation, donner leur approbation sur cette constitution qui peut-être peut être proposée par des juristes. Mais ce n'est pas comme ça que ça se fait. Ça doit être le peuple qui doit réfléchir sur les thématiques qui devra être constituées dans la constitution et non le contraire. Comme le président de la République est en train de proposer qu'il va faire un comité qui va réfléchir sur une nouvelle constitution. Moi, je crois que ça, c'est une aberration et c'est un tournant qui va encore nous amener très, très loin parce que ces gens-là vont se baser, ils sont envoyés par quelqu'un pour l'accommoder. Et donc, le texte qui pourra venir de là ne fera qu'accommoder celui qui les a envoyés. Ça ne reflétera pas le point de vue de celui qui est à Mangina, ni celui qui est à Kimpese. C'est comme ça que nous pensons que la nouvelle constitution devra être une discussion sociologique donc de tous les peuples, en fin de compte, où nous pourrons en fait dégager un acte d'engagement de tous les tribus. Parce que moi, je pense qu'ils participeront là-bas. Nous devrions donner la possibilité au territoire de se dire que, bon, ici, dans ce territoire, nous avons quatre tribus. Quatre tribus, chaque tribu amenait 50-100 personnes. Et ces 50-100 personnes viennent, on se rencontre, on discute sur la matière, et puis nous signons un pacte d'engagement. Et par-ci, donc, au niveau des territoires, lorsqu'on aura terminé, nous enverrons cette histoire-là au niveau des provinces pour harmonisation des textes. Et au niveau des provinces, nous pourrons maintenant aller au niveau national où nous pourrons dégager un texte qui sera soumis au référendum. Voilà le schéma que moi je pense qui pourra nous aider. Mais sinon, aujourd'hui, notre justice est malade. Et la distinction, cette constitution ici, bien que moi je prône pour certains changements de ces articles qui nous met en difficulté, par exemple la forme de l'État. Moi, je penserais beaucoup plus à une décentralisation vraiment outrance où les provinces seront vraiment presque autonomes. Et les pouvoirs puissent être bien distingués, qu'il y ait vraiment séparation du pouvoir entre l'exécutif et le législatif, ainsi que les autres, pour que nous puissions être clairs que c'est ici où se limite le pouvoir du président de la République. Mais aujourd'hui, regardez ce monsieur qui dit que non, nous devons aller recourir au président de la République, comme si le président de la République est au-dessus de tout. Et il déclare tout haut que le président de la République est le magistrat suprême. Ça, c'est un titre honorifique. Voilà comment est-ce que nous pensons que le Congo peut s'échapper à cette tournure qui nous fait encore tourner en rond. Je crois que nous pouvons faire quelque chose. Alors, on va terminer par là aujourd'hui, en vous remerciant encore, vous tous qui avez suivi cette émission.